Tanga 24, Matthieu 8. Matthieu, le chapitre 8. Le verset 24 jusqu'au verset 27. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Et voici, il se leva sur la mer. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples se sont approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur? Nous sommes de peu de foi. Alors il se leva, menaçant ces hommes furent saisis de tourment. Qui est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? On nous présente une histoire fascinante. Vous savez que l'évangile est rempli de surprises. L'évangile est rempli de bonnes choses. Tout ce dont vous avez besoin, vous le trouvez dans l'évangile. Parce qu'il est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui accorde la paix. La bonne nouvelle qui donne l'harmonie. La bonne nouvelle qui restaure les cœurs de ceux qui étaient brisés. On nous propose une histoire. On nous présente un personnage. Un homme unique en son champ, un homme particulier. Les disciples étaient en train de traverser, ils étaient en train de voyager, ils étaient dans la barque, mais au beau milieu de la mer se leva une grande tempête. Elle a soufflé tellement fort que l'eau commençait à remplir la barque. Lorsque l'eau a commencé à remplir la barque, au point que la barque risquait de s'enfoncer, la panique a pris place. Les disciples ont commencé à courir dans tous les sens. Ils sont tournés, ils montaient, ils descendaient, ils donnaient tout ce qu'ils avaient pour savoir, tout ce qu'ils avaient comme connaissance. Mais aucune solution. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec leur expertise, mais aucune paix. Ils étaient dans la chitation, ils étaient troublés. Les disciples en majorité, c'était des hommes de mer. Ils connaissaient la mer. Ils en avaient l'expérience. Ils savaient que lorsque la tempête souffle dans les sens, il faut tirer la nacelle de ce côté. Lorsque le vent est fort de ce côté, il faut tourner le gouvernail dans ses dents. Ils en avaient de l'expérience. Mais ce jour-là, toutes ces expériences se sont révélées de gros échecs. Ils ont tenté par tous les moyens. Ils ont cherché la paix par tous les moyens, mais ils n'ont pas pu trouver des solutions à leur problème. Tout comme vous aussi, vous êtes accablés par des problèmes, vous êtes accablés par des défis, vous êtes accablés par des difficultés. La pauvreté vous congrègue, les maladies vous dérangent, les peines vous affligent, les douleurs les soucis, la tristesse. Vous cherchez comment trouver la solution, vous cherchez où trouver la paix. Qui viendra à mon secours? Vous trouverez la solution. Les disciples ont vécu la même chose. Ils ont cherché des voies et moyens sans rien trouver. Leur expertise nulle. C'est pourquoi, bien-aimé, ne faites jamais confiance en vos connaissances. N'ayez jamais confiance en vos relations. Dès l'instant où vous vous fiez aux choses-là, elles se révèlent de gros échecs. Un homme peut vous décevoir. Un homme peut passer. Une connaissance peut être disponible. Mais une seule personne est toujours présente. Lorsque vous criez à lui, il répond. Lorsque vous appelez à lui, il se lève. Lorsque vous citez son nom, il répond. Son nom c'est Jésus. Amen. Pierre a pris le devant. Il a dit: mais non, je ne peux pas mourir. Nous n'allons pas périr de cette manière. Pendant qu'ils étaient en pleine panique, le Christ dormait. La parole de Dieu déclare que lui, il dormait. Oh que j'aime l'attitude de Christ. Au beau milieu de la panique, gardez le calme. Au beau milieu des troupes, ayez confiance en l'Éternel. Le Christ savait que son Père dans le ciel, peu importe la tempête, peu importe le vent, peu importe la mer, il ne me permettra jamais à la barque de s'enfoncer aussi longtemps qu'il était là. Il avait confiance en Dieu. Le parent de Dieu déclare: recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui ta confiance, et il agit. Bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel, ne coupe pas
après tes expériences, après tes connaissances, après tes relations, regarde à lui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Tous ceux qui servent se retrouvent en lui. Tous ceux qui servent se retrouvent en lui. Basoa que si ka yako batama pwete oyavana sene ningi na chan oyavana sene bobate la mina wale kili kolo apema gana lingi ya guya nyoso aza ekimelo na biso tango koti le ekimelo wana okopema Pierre se dit non, je ne peux pas mourir comme ça. C'est toujours lui le plus éveillé. Il vient, il crie à Christ, il dit Seigneur, Seigneur, lève-toi. Tellement. Ne t'inquiète pas du fait que nous périssons. Et Jésus a entendu la voix. Car il ne dormait pas comme un inconscient. Il ne dormait pas comme quelqu'un qui n'a pas adoré. Il ne dormait pas comme quelqu'un d'ignorant. Parce que celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur ta famille ne sommeille ni ne dort. Même si tu ne vois rien, même si tu ne parles rien, il est là, il est là, il est là. Et tu ouvriras les yeux afin que tu vois le nombre de tes ennemis qui t'attachent sur tes ennemis, tu réaliseras que les beautés de l'éternel sont énormes pour toi. Jésus s'est enlevé, il n'a pas discuté avec la mer, il n'a pas négocié avec la tempête, il n'est pas allé par quatre chemins. La parole de Dieu déclare qu'il a menacé la tempête, il a menacé le vent, et à l'instant même le calme a pris place. À l'instant même, la paix a pris place. À l'instant même, la quiétude a repris place. Oh, que je déclare dans la vie de Christ que la paix de Christ remplisse ton cœur. Amen. Amen. Même si le monde te bouscule, même si les peines de la vie te troublent, regarde sa lutte, réveille-le. Il ne dort pas comme un étranger. Quand il écoutera ta voix, il se lèvera et il agira. Il calmera la tempête. Fane sa kime mon pépé, ako gange la mi pépé, pe kime osa nango posa, e kota mon tema na yo, je la emo tema, je la emo tema de kon mwa si, nzambe la psaza na bombo, nzambe la psaza na mounga, azali kaka mwanko, mwa pesa ka kime omo kine pesa kane, yon gale bè lo bana ye, zwa kime na kane, la pesi mino kime na kane, kime omo kine kwe ko pesa te, otone sa mina mo boulou na li kabo mwanko, il y a une personne qui peut te donner la paix. Je viens te présenter celui qui est meilleur de paix. On l'appelle le prince de paix. Toi le brillante du monde. Lorsqu'il s'élève, toutes les zones d'ombre t'habillent sont éclairées. C'est le Seigneur Jésus, le faiseur de paix, le rédempteur des âmes. Aujourd'hui, je t'invite mon frère à prendre une décision. Tu vas formuler une prière. Tu es dérangé par un problème. Tu es accablé par une situation. Dieu sait dans quoi tu te retrouves. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter sur quoi que ce soit. Le Christ se déclare que qui, de par ses inquiétudes, a réussi à ajouter une coudée à sa vie. Personne. Les inquiétudes ne règlent jamais quelque chose. Mais ils nous exhortent en disant qu'en chaque circonstance, en toute situation, Tikali kamna wako kwa nzima. Bolme pana ngai kumbara bino. Ngai na kulisa bino kupeme. Ipena kupesa bino kimia. Na pesa otango bondela. Bondela sikoli. Kitsa moto na yo bondela. Tala likambo sana ko. Tala loko ezo tungisa motema na yo. Pesiko matali bondela pana nzima. Na kati na bwato na yo. Moto azana kati. La musa esikoli. Tango ako telema. Ako gange la mbonge wana, ako fani sa mo pepe wana kimia, kimia eko zwe sika. Amen. Lobele esi po. Lobele eo zarango pousa. Nini mo tema de sa kouluka. Likambo nini zo lungo la yo kimia. Tali sa likambo nona nza. Siska sasa yipi ako sala. Il agira. Azo sala. Car il déclare dans sa parole que mes oreilles ne sont pas devenues sourdes. Matin ngaeza bozito te pona ozako yoka. Loboko ngaeza bozito te pona ozako. Notre Dieu est vivant. Nzambe na bisa na bongo. Notre Dieu écoute. Nzambe na bisa yoka. Il entend et il agit. Ayoka ka pasala. Sans problème. Tala likabula. Il prie le Seigneur.
pense à ton problème. Tu ne vas pas sortir d'ici de la même manière Okobima que tu es entré. Laisse ton cœur s'ouvrir. Il a des réponses à tes questions. Il a des solutions à tes questions. Prie le Seigneur. Se trouve en toi, qui soutient, toi qui